Yoga, yoga, yogeshwaraya bhuta bhuteshwaraya kala kala kale Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya. Shambho, Shambho, Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho
Thank you.
Just sit still. Namaskaram à tous, où que vous soyez. Eh bien, j'ai entendu dire que certains de nos bénévoles et méditants, et ceux qui participent au satsang depuis la Chine, sont un peu en colère, parce que hier, j'ai dit le virus Wuhan. Je veux que vous compreniez que dans les langues indiennes, même pour une personne, il est courant de dire le nom de l'endroit d'où elle vient et ensuite son nom. Par exemple, le nom de mon père, il s'écrit en général B.V. Vasudev. B pour Bangalore, qui est un lieu. Et les gens sont nommés de cette façon. Padmaja, Somaja, Shailaja, ça désigne toujours l'endroit d'où ils viennent. Donc, je ne vois pas où est l'insulte. Je ne voyais vraiment pas ça comme ça. Encore maintenant, je n'arrive pas à le voir. Et les médias internationaux
Je les écoutais hier et ils utilisaient tous ce terme. Je ne voyais rien de mal à cela. Mais quoi qu'il en soit, si ça vous blesse, on va simplement l'appeler le virus, ok? Pas de problème. Je ne sais pas quels sont les problèmes d'ordre politique et autres qui se cachent derrière tout ça, mais il est normal pour nous d'utiliser le lieu d'origine pour désigner quelque chose. Donc, je crois que c'est une pratique assez courante, en particulier dans les langues indiennes. Enfin. Eh bien, le monde a malheureusement passé la barre des 30 000 morts, et les chiffres sont en hausse. De nombreux pays s'approchent des 1 000 morts par jour, malgré les confinements, les hôpitaux d'urgence qui sont mis en place partout. Malgré cela, ça se développe. Ça se propage aussi assez agressivement aux États-Unis. Il y a plus de 100 000 personnes infectées. Il commence aussi à y avoir des morts. L'Inde s'en sort encore bien. Mais je pense que c'est grâce au blocage au niveau des districts que l'administration met en place. Fort heureusement, les gens coopèrent aussi majoritairement. Mais il y a un problème. Dans les grandes villes, les travailleurs qui étaient arrivés de leur village, de l'Inde rurale pour travailler dans les villes, ils veulent désespérément retourner chez eux. Parce que c'est principalement une population masculine qui arrive dans les villes. Ils ont en général un petit lopin de terre chez eux ou dans leur village. Lorsqu'ils sont absents pour 6 à 8 mois à travailler en ville, les femmes prennent soin de la terre et puis ils reviennent et repartent. Mais maintenant, ils savent qu'il n'y a pas de travail et que leur vie est en danger. Et ils ne savent pas ce qui arrive à leur famille. Donc, il y a un exode des travailleurs, des villes vers les villages. Le gouvernement fait tout son possible pour créer des auberges pour eux, pour les fournir en nourriture, mais ils ne veulent rien, ils veulent juste retourner chez eux, ce qui est malheureusement... C'est compréhensible, la façon dont ils se sentent. Mais malheureusement, ils pourraient propager le virus de la ville, le virus de la ville, à la campagne. Pour le moment, l'Inde rurale n'est pas très touchée. Le virus est quasiment absent des campagnes de l'Inde. Mais ces travailleurs migrants pourraient l'apporter. En Inde du Sud, à part au Kerala, c'est en grande partie sous contrôle. Ça n'augmente pas. Le confinement a été efficace. Mais le défi, ce sont les 7 à 10 prochains jours. Il faut voir ce qui se passe en Inde. Tout dépend de ce qu'on fait, chacun d'entre nous. Parce qu'il y a un problème avec le mental humain. À mesure que les jours passent, il ne s'est rien passé. Ils vont devenir négligents. Il ne s'est rien passé veut dire quoi? Vous voulez que les gens autour de vous meurent? C'est là qu'il se passe quelque chose? Il ne s'est rien passé veut dire que tout le monde va bien. Ce n'est pas le moment de devenir nonchalant. Ce n'est pas le moment de relâcher le mode de conduite, de base que l'on a établi pour tout le monde. S'il vous plaît, maintenons cela. Et d'après toutes les prédictions scientifiques, les calculs, ça pourrait durer un certain temps. Mais ceux d'entre vous qui au moins croyez que vous êtes sur le chemin spirituel, c'est une bonne période, parce que dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel nos sens sont tellement pris d'assaut par des sons, des couleurs et des images,
Dans le sens où si vous étiez ici il y a 100 ans, eh bien, vous pouviez voir de la verdure autour de vous, de la terre brune, le ciel bleu. Pour voir quoi que ce soit de plus spectaculaire, vous deviez attendre le coucher du soleil, ou vous lever tôt et attendre le lever du soleil. Le reste de la journée, c'est tout ce qu'il y avait. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Si vous allumez votre télévision, il y a un balai incessant de couleurs, ou si simplement vous regardez votre téléphone, le cosmos tout entier défile, ou quasiment tout ce que vous voulez voir s'y trouve. Donc la quantité de données visuelles et de données audio est tellement importante de nos jours que se tourner vers l'intérieur semble être une possibilité très lointaine pour la plupart des gens. C'est un bon moment pour vous examiner et profiter de cette occasion. En yoga, il y a une dimension dans le Ashtanga yoga. Contrairement à ce que certains pensent, le Ashtanga yoga n'est pas une marque. Ashtanga veut dire yoga des huit membres. Le yoga comporte huit membres. L'un des membres est Pratyahara. Pratyahara signifie désengager ses sens du monde extérieur et les tourner vers l'intérieur. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas concevoir de quoi il s'agit. Eh bien, beaucoup d'entre vous qui êtes passés par des périodes de sadhana en ont fait l'expérience. Même avant que des choses ne m'arrivent, lorsque j'allais dans des forêts, juste pour profiter de la forêt et juste pour marcher. Pendant des semaines, quand je marchais simplement tout seul dans la jungle, j'ai simplement réalisé que rien que ne pas voir de visage humain pendant quelques semaines, ça vous fait quelque chose d'incroyable. Il y avait des animaux sauvages, mais il n'y avait pas de visage humain pendant des semaines. Eh bien, j'ai remarqué quelque chose de très très différent dans mon système. Le genre d'énergie et d'exubérance qui était en quelque sorte, vous savez, qui me faisait marcher à quelques centimètres au-dessus du sol, ce genre de sensation. Bien que pendant ces semaines, j'étais la plupart du temps affamé, non, je rigole juste à propos de ces douleurs de la faim. Maintenant, parce que elles sont très douloureuses. Mais tout de même, j'étais énergisé à tel point que c'était presque comme si je marchais à quelques centimètres au-dessus du sol, ce genre de sensation. Et j'ai réalisé que quand je regarde des arbres, des animaux, c'est un certain type d'engagement, vous savez, c'est simplement les regarder, les apprécier ou simplement regarder la chose pour ce qu'elle est. Mais lorsque vous regardez des visages humains, consciemment, inconsciemment, il y a une certaine transaction qui a lieu. Affection, aversion, approbation, désapprobation, il y a tant de choses qui ont lieu, vous n'avez même pas à y participer. Rien qu'en regardant quelqu'un, ça a lieu. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à de plus en plus fermer les yeux, parce que si je ferme simplement les yeux pendant des heures dans une journée, en fermant les yeux consciemment, pas en dormant, vous verrez que vous avez accès à une nouvelle dimension d'énergie. C'est ce que Pratyahara veut dire, que vous avez arrêté d'engager vos sens avec le monde et que vous les avez tournés vers l'intérieur. C'est le bon moment, si vous en avez la volonté, où que vous soyez pour expérimenter cela. Si, pas toute la journée, disons 6 heures par jour ou 12 heures par jour ou quoi qu'il soit possible pour vous, vous pouvez même démarrer avec une heure ou deux heures. Juste rester les yeux fermés, sans regarder quoi que ce soit. Au départ, votre mental va peut-être partir dans tous les sens, ce n'est pas grave, n'essayez pas de le contrôler, laissez-le aller où il veut. Je veux que vous compreniez qu'il ne va nulle part, il ne fait que rejouer des vieilles choses. Oh, mon mental s'en va ailleurs. Non, votre mental ne s'en va nulle part.
Ceci est l'illusion que vous devez briser. Vous croyez que votre mental va quelque part, ce qui signifie que vous prenez votre processus psychologique pour une réalité existentielle. Le processus psychologique est juste fabriqué par vous. Vous rejouez votre propre film stupide et mal réalisé, et vous croyez que c'est vrai. C'est le bon moment. C'est le bon moment d'essayer de faire ça dans la journée, un certain temps, quel qu'il soit. Vous fermez les yeux et vous vous asseyez. Mais il s'est passé quelque chose, quelqu'un a fait du bruit, quelqu'un a fait quelque chose. Ok. Non, pas comme ça. En particulier lorsque vous pensez que quelque chose d'important a lieu, vous devez fermer les yeux. Oui. Parce que l'engagement avec le monde doit devenir conscient, c'est tout. Si l'engagement avec le monde est conscient, peu importe à quel point vous êtes engagé avec le monde, ça ne vous... Vous savez, ça ne va pas vous perturber ou vous rendre fou. Quand votre engagement est compulsif et réactif, alors vous allez voir, les petites choses font dérailler les gens. La plupart des êtres humains, juste pour gagner leur vie, fonder une famille et mourir un jour. Pour ça, les difficultés que les gens traversent sont incroyables. Ce n'est même pas juste. Juste pour faire des choses simples que toutes les autres créatures font. Là maintenant, regardez les moineaux. Ils règlent leurs problèmes de famille du soir. Avec un cerveau d'oiseau. Mais ils le gèrent à leur manière. Pour la même chose, les êtres humains, avec un si gros cerveau, partent dans tous les sens. C'est parce que leur engagement avec le monde est compulsif, pas conscient. C'est le bon moment pour vous d'expérimenter cela, d'introduire un peu de pratyahara dans votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, ça n'a pas d'importance, vous n'avez besoin d'aucun entraînement. Asseyez-vous simplement les yeux fermés. Ce n'est pas grave, le mental s'en va en courant. Laissez-le courir. N'essayez pas de l'arrêter, parce qu'il n'y a pas de frein. Les trois pédales sont des pédales d'accélérateur. Peu importe comment vous y touchez, il ne fera que courir plus vite. Donc ne faites rien du tout, il va courir. Il va courir parce qu'il a une certaine inertie karmique. Si vous le laissez juste courir un certain temps sans vous en occuper, il va ralentir et il va s'arrêter. Ne vous préoccupez pas d'arrêter le mental, ne pas arrêter le mental. Tout ce que je dis, c'est ne vous engagez pas avec le monde extérieur pendant un certain nombre d'heures, quoi que vous puissiez faire. Commencez avec une heure et poussez ça à 6 à 12 heures par jour. Vous verrez, vous allez avoir l'énergie qu'il faut pour atteindre les sommets. En ce moment, le principal problème qui fait que les êtres humains ne sont pas capables de devenir extatiques et exubérants en eux-mêmes, c'est le manque d'énergie. S'ils sont joyeux pendant 3 minutes, ensuite ils vont s'effondrer, comme ça. À vrai dire, il y a des dictons comme ça dans la société. Socialement, les gens pensent que si vous devenez très joyeux et exubérant aujourd'hui, demain vous serez malheureux. C'est ce qui est dit en général dans la société. Ne sois pas aussi heureux parce que demain tu vas être malheureux. C'est parce que leurs batteries sont comme ça. Si aujourd'hui ils sont très exubérants, le lendemain ils seront déprimés. Donc, pratyahara est un élément clé pour créer le genre de système énergétique capable de recevoir chacune des expériences de la vie sans vous laisser tomber. C'est un bon moment pour se tourner vers pratyahara. L'important, c'est que si vous vous engagez avec votre processus de pensée, ce n'est pas interne, cela aussi est un engagement avec le monde. Non, non, je n'ai regardé le visage de personne, je ne faisais que penser. Cela aussi est un engagement avec le monde parce que vos pensées ne vous appartiennent pas. Le contenu des pensées provient entièrement de l'extérieur. Vous faites tourner un monde privé dans votre tête. Mais il n'y a pas de monde privé. Existentiellement, il n'y a qu'un seul monde. Soit vous y vivez, soit non. Votre monde privé est un asile de fous.
que vous avez inventé. Parfois, bien sûr, il vous procure un certain plaisir, mais vivre dans un monde inventé et fait d'illusions ne va pas durer longtemps. En particulier, si vous... Vous savez, les gens disent toujours, j'ai été désillusionné. C'est ma bénédiction, vous devez être désillusionné aussi vite que possible. Parce que désillusion veut dire que toutes vos illusions ont été détruites. Cela ne devrait-il pas avoir lieu au tout début de la vie? Ça devrait avoir lieu le plus tôt possible, que toutes vos illusions s'effondrent. C'est ma bénédiction. Puissiez-vous vivre dans la beauté majestueuse de cette création, pas dans votre propre illusion, quelle que soit sa douceur apparente pour le moment. Des questions, s'il vous plaît? Sadhguru, la première question vient de Giordano. Namaskaram, Sadhguru. D'où vient-il? On peut poser la question ou pas? Ce n'est pas mentionné, Sadhguru. Okay. C'est une question des réseaux sociaux. Ok, on ne peut pas lui demander, parce qu'on ne peut pas dire d'où il vient. Si vivre ici en yogi est un tel état d'extase et de félicité, pourquoi voudrait-on échapper au cycle de la renaissance? Vous devez enlever le mot « échapper ». Eh bien, je vous pose la question à tous. Je suis sûr que vous êtes tous allés à l'école. Peut-être que pour certains d'entre vous, l'école n'a pas été une expérience agréable. Mais pour beaucoup, l'école a été une bonne expérience, en particulier ceux d'entre vous qui n'étaient pas intéressés par apprendre beaucoup ou d'être le premier ou autre. Vous profitiez simplement de la compagnie de vos amis et des jeux et des blagues et autres. L'école était une bonne expérience. Donc, quand vous avez terminé l'école, est-ce que vous vous êtes échappé de l'école ou est-ce que vous êtes sorti de l'école en réussissant à passer? On ne sait pas. Peut-être que Giordano s'est échappé de son école. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à passer. En général, la plupart des gens réussissent à passer et vont vers la prochaine étape de la vie. Quand vous êtes à l'école, peu importe à quel point c'est bien, voulez-vous aller à l'université? À coup sûr. Ceci est la nature de l'être humain. Peu importe à quel point c'est bien, vous voulez passer à la phase suivante de la vie. Quelque chose est bien, donc je vais continuer à faire la même chose, pour toujours. C'est une façon idiote de voir la vie. Ça ne vient pas du fait que la vie est fantastique pour vous. Ça vient de la peur de se lancer dans l'inconnu. Totalement inconnu. Absolument inconnu. Ceci est arrivé. À une époque, les choses tourne mal, et Shankaran Pillai devient ouvrier. Ouvrier. À monter des briques sur plusieurs étages. Et puis, son collègue, quelqu'un qui travaille aussi là, remarque que Shankaran Pillai porte plus de briques que ne le demande le contremaître. Plus. Tout le monde porte 8 briques, Shankaran Pillai en porte 12. Donc, 8 briques, c'est déjà assez lourd. Et vous montez plusieurs étages. Quand ils arrivent en haut, ils les laissent juste tomber et repartent. Le plaisir, c'est de redescendre les mains vides. Donc, au déjeuner, cet autre ouvrier demande à Shankaran Pillai, pourquoi est-ce que tu portes 12 briques? Il n'en faut que 8. Si tu en portes 8, tu reçois un salaire complet. Pourquoi est-ce que tu en portes 12? Shankaran Pillai lui répond, tu ne sais pas, cet imbécile de contremaître, je porte toujours les mêmes briques, de haut en bas. Brillant. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils continuent avec les mêmes choses, de haut en bas, de haut en bas.
Punarapi Jananam, Puranapi Maranam, encore et encore. Ceci n'a lieu que parce que la vie est compatissante. La création est compatissante. Elle crée des écrans dans votre mémoire. Si ces écrans étaient brisés, vous seriez tellement malheureux à l'heure actuelle. Si vous réalisiez que vous avez fait les mêmes stupides choses 100 fois et que vous faites toujours la même chose avec les mêmes incompréhensions, vous allez vouloir vous frapper. Donc, quelqu'un qui a brisé ses écrans et n'est pas devenu malheureux à cause de cela, c'est la raison pour laquelle ouvrir la mémoire au-delà du domaine actuel de l'expérience nécessite d'abord une très solide base psychologique, pas spirituelle, une base psychologique. Parce que si vous n'avez pas une base psychologique très stable, si les écrans de votre mémoire cassent, les gens vont avoir un mental brisé. Quand les gens se débattent avec une vie d'expérience, même pas une vie entière, dès l'âge de 30 ans, ils se débattent avec leurs émotions, leurs pensées, leurs souvenirs, et ils sont malheureux. Imaginez que vous ouvriez 3 vies de mémoire. Vous croyez que ces gens vont réussir à gérer ça? Ils vont complètement partir en vrille. Donc pour cette raison, la compassion de la vie, la compassion de la création, maintient des blocs de mémoire séparés. Donc vous ne réalisez pas que vous faites la même chose encore et encore. Peu importe à quel point c'est beau, exubérant et merveilleux, si vous répétez sans cesse la même chose, je vais faire une chose. Quelle que soit votre musique préférée, je vais la faire jouer, pas ici, dans votre mental, non-stop, pendant les 21 prochains jours. Avec cette fantastique musique, vous allez devenir fou, parce qu'elle joue non-stop. Donc quiconque réalise que les mêmes choses tournent en boucle encore et encore, va naturellement vouloir briser le cycle. Ce n'est pas que vous essayez de vous échapper. Vous avez trouvé un escalier vers quelque chose au-delà. Si vous partez, si vous quittez une phase de la vie et partez vers une autre phase de la vie, ça ne s'appelle pas une fuite, ça s'appelle une promotion ou libération.